Donc le titre, vous le voyez, concurrence comme schéma normatif, marché institué et marché instituant dans la pensée néolibérale. Ce qui va m'intéresser, c'est ce couple-là, marché institué, marché instituant. La différence étant que les marchés institués sont évidemment les marchés qu'on institue avec des règles, le marché empirique, et le marché instituant, ça va être plutôt le concept de marché qu'on a à l'esprit qui va permettre de justifier des choses. Et notamment, potentiellement, le concept de marché qu'on a à l'esprit, le modèle du marché qui va permettre de générer des marchés effectifs. Donc je fais ça je réfléchis à ça dans la continuité de mon travail de thèse que j'ai soutenu en 2022 et qui portait sur ces quatre personnes-là. Donc en haut à droite, vous reconnaissez peut-être Hayek. En bas à gauche, celui dont on vient de parler, James Buchanan. En bas à droite, Walter Lippmann, j'en dirai un peu moins aujourd'hui. Et en haut à gauche, Richard Posner, qu'on a aussi mentionné tout à l'heure, qui était juge et juriste aux États-Unis. Alors, pourquoi est-ce que je prends ce thème spécifique et en quoi est-ce que c'est quelque chose de particulièrement important? Parce qu'il me semble que ce couple-là, marché institué, marché instituant, il donne bien à voir la dynamique et l'évolution des théories néolibérales. J'en donne un rapide récapitulatif en trois moments grossiers, hein, les historiens du néolibéralisme pourront trouver à redire toujours. C'est que dans un premier temps, on a un moment néolibéral bien étudié, hein, qui est désormais connu, Walter Lippmann, le colloque en 1938, le Société du Mont-Pèlerin en 1947, puis après qui a continué, on a eu des histoires de la Société du Mont-Pèlerin. Et dans ce moment-là, on a vraiment le moment de la refondation, c'est quoi la crise du libéralisme, comment est-ce qu'on essaie de repenser les concepts de marché de concurrence vis-à-vis du socialisme. Puis un deuxième temps qui se développe à partir des années 50, jusque dans les années 80 grosso modo, et qui passe du premier concept, c'est-à-dire quels sont les bénéfices ou les caractéristiques des marchés tels qu'ils existent vis-à-vis des ordres planifiés, au deuxième concept, à savoir qu'on ne va plus seulement penser le marché comme une entité dont il faut conserver l'existence, la réguler, l'instituer avec des règles, mais on va penser les schèmes du marché, notamment la concurrence et l'échange, comme des instruments de justification. C'est là-dessus que j'irai vers la fin, à savoir que via le néolibéralisme, en tout cas c'est ce que je vais essayer de défendre, via les théories néolibérales, il y a une généralisation de la marketisation, de le marché dans nos têtes, qui devient un concept important en philosophie politique. Et donc je m'intéresse un peu à la suite de l'histoire, celle qui est un peu moins travaillée généralement, puisque je disais, on a beaucoup de travail sur l'histoire du néolibéralisme dans les années 30 à 50, mais un peu moins sur la suite, et notamment sur les influences que ça a eu par la suite. Donc là, je vais donner quelques grands exemples de gens qui se réfèrent directement aux néolibéraux comme des influences, puisque vous savez que le terme est contesté, donc c'est toujours intéressant de trouver des gens qui se réfèrent explicitement à eux-mêmes comme des néolibéraux. L'exemple le plus marquant, c'est Neoliberal Social Justice de Nick Cohen en 2021. Mais parmi les grands philosophes politiques des dernières années, il y a Gerald Gauss, qui est mort il y a deux ans, Order of Public Reason, qui est explicitement une théorie hayekienne de la raison publique, John Tomasi, Free Market Fairness, en 2012, et puis The Individualist, Mats Wolensky et John Tomasi encore, qui développent une sorte d'histoire rétrospective du libéralisme. Une qui est moins citée généralement dans cette continuité-là, c'est Elinor Ostrom, dont on oublie qu'elle a été membre de la Société du Mont-Pèlerin avec son mari, et qui se réfère directement à Hayek dans ses théories polycentriques, dans les analyses institutionnelles, comme une manière de répondre aux problèmes épistémiques posés par la coordination sociale. Donc ce nexus-là, je vais y revenir par la suite, mais l'objectif c'est de montrer comment est-ce qu'on retrouve les mêmes thèmes, mais pas juste de manière incidente, mais les mêmes façons de problématiser aussi certains enjeux en philosophie politique. Du niveau,
ça c'est la slide un peu revue de littérature, je vais la faire vite. Mais pour, par rapport à la méthodologie, comment est-ce que je m'inscris un peu dans la recherche? En gros, il y a trois grandes approches, à grands traits, sur l'histoire récente du néolibéralisme. Il y a une approche qui est très centrée sur les réseaux et les auteurs. Il y a de très bonnes contributions, hein, je pense Audier, on l'a référé plusieurs fois, Quinn Slobodian, Bedelim, Bruce Caldwell récemment sur la Société du Mont Pèlerin et qui fait une histoire des archives de la Société du Mont Pèlerin, donc ça commence à être bien connu. Il y a une deuxième grande approche qui est plutôt centrée sur non pas les auteurs et les réseaux, mais sur les transformations sociales et économiques, et donc là on retrouve plutôt la littérature sur le tournant conservateur des années 80, la fin du consensus keynésien, le consensus de Washington, ce genre de choses-là. Et donc là, je pense que la dernière itération, c'est l'ouvrage de Davidson sur What Was Neoliberalism des années 80 à 2008. C'est-à-dire généralement que l'ère du néolibéralisme stoppe un peu avec la crise de 2008. Et l'approche dans laquelle moi je me situe plutôt, qui est de prendre les théories néolibérales non pas comme des pour en faire l'histoire, non pas pour étudier des processus socio-économiques, mais pour l'étudier comme une théorie politique. Une théorie politique qui a une façon spécifique de poser des problèmes et qui va générer des récupérations et des manières de transformer la manière dont on interroge les concepts politiques. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre la problématique néolibérale de laquelle on part et qui est une problématique centrale qui se décrit qui se développe dans les années 30 et qui est souvent perçue comme, ou plutôt énoncée comme la tentative de développer une troisième voie entre planification socialiste d'un côté, le background c'est les débats sur la possibilité du calcul économique en régime socialiste qui se développe dans les années 20 et 30, et donc le laisser-faire, qui est lui aussi critiqué, ça a été mentionné tout à l'heure, le fait que les néolibéraux se positionnent comme des critiques du laisser-faire, du manchesterianisme, ils disent lors du colloque Lippmann, et qui est vraiment considéré comme la théorie selon laquelle les marchés sont naturels, il faut laisser faire les marchés de manière automatique et on arrivera au meilleur résultat possible. Donc une reconstruction qui se positionne entre ces deux caps-là, à savoir on ne veut pas planifier l'économie de manière socialiste, on ne veut pas laisser faire, donc on va devoir instituer, réguler, créer le marché qui va être spontané mais néanmoins construit, ce qui est le paradoxe intéressant de la pensée néolibérale. Et donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on gouverne quelque chose qu'on ne peut pas planifier? Comment est-ce qu'on gouverne quelque chose qui va être spontané sans pour autant être naturel? Et donc il nous faut fonder une justification d'un ordre sociopolitique avec une théorie qui elle-même est anti-fondationaliste, puisqu'on a toute une connaissance des théories néolibérales, épistémologiquement, ça a développé dans la thèse de Martin Bethlehem notamment, où on a tout un versant conventionnaliste, anti-fondationnaliste en épistémologie également. La métaphore que j'utilise et qui est extrêmement utilisée hein, chez les néolibéraux, je pense que tu as dû rencontrer ça, Pierre, aussi chez Buchanan, c'est la distinction entre les règles du jeu et le jeu. C'est pour ça que j'ai mis une balle de basketball, hein, si jamais vous vous demandiez. À savoir qu'il y a une différence entre définir les règles d'un jeu, mettre la balle de basketball dans le panier vaut 2 points si vous la mettez devant la ligne à 3 points et 3 points si vous la mettez derrière. Le panier, c'est ce par quoi on marque des points. Il y a la ligne sur le terrain qui définissent les différents espaces, etc. Ça, c'est une forme d'intervention. Mais il y a une différence entre ce type d'intervention-là et les interventions directement dans le jeu, à savoir si vous prenez la balle à LeBron James et vous allez mettre un lay-up à sa place. Dans un cas, vous permettez aux joueurs de développer leur stratégie, de développer leur contre-stratégie, vous permettez potentiellement au jeu d'évoluer lui-même avec des méta-games, comme on dit dans le sport américain, dans lequel les stratégies vont évoluer les unes par rapport aux autres. Et dans l'autre cas, vous interférez directement avec le jeu en changeant le cours du jeu tel qu'il aurait été si vous n'étiez pas intervenu. Alors, si j'introduis cette distinction-là, l'objection qui vient immédiatement, c'est « mais quand on change les règles du jeu, on change aussi le cours du jeu et la manière dont il est joué, et c'est aussi une des tensions fondatrices du néolibéralisme, c'est quel type d'intervention sur les règles du jeu va être acceptable alors même que chaque modification des règles du jeu change bien la manière dont on joue le jeu ?»
Donc il va y avoir tout un raisonnement sur les bonnes règles qui instituent le jeu et qui promeuvent une saine concurrence, et les mauvaises règles qui dictent aux joueurs leur stratégie, ce qu'ils doivent faire, leurs outcomes. Si on fixe directement le score du jeu, ça n'a plus grand intérêt. Le marché, dans ce cadre-là, il a un rôle fondamental et il émerge de la controverse sur le calcul socialiste. J'indique qu'il est un instrument de véridiction, c'est une expression de Foucault, pas la mienne, mais qui capture bien, je pense, le cœur de l'argument néolibéral, à savoir que le marché est le meilleur instrument de coordination qu'il nous reste quand on abandonne l'idée d'une direction centralisée et planifiée de l'économie, et l'économie elle-même étant toujours reliée avec du politique et du social, à savoir que quand vous faites des choix économiques, vous ne faites pas des choix strictement économiques. Quand vous achetez une voiture, il y a des gens qui achètent juste une voiture pour avoir une voiture d'une telle marque, etc. Mais c'est toujours un choix social également. Vous voulez acheter telle voiture pour être connu, vous voulez acheter telle voiture avec telle caractéristique pour aller quelque part, donc pour effectuer des fins politiques ou sociales. Et donc il y a toujours l'idée que le marché va être un instrument de coordination non seulement économique, production, consommation, prix d'équilibre, etc., voire innovation, découverte, mais également politique et sociale. Un argument fort, hein, je pense, qui était très bien défendu par Erwin Decker dans son livre 2016, Students of Civilization, c'est que chez les néolibéraux, le marché, il a un rôle sur tous les plans de la vie. Économique, social, politique et même civilisationnel, c'est l'instrument du progrès civilisationnel de la société occidentale, terme qui revient souvent dans les textes de la Société du Mont Pèlerin, notamment dans le Statement of Aims, donc la déclaration d'intention. Et c'est particulièrement important ce marché, qui va être vu comme le premier principe pour les néolibéraux, puisque c'est un espace dans lequel on n'a pas besoin d'avoir de coordination externe. Donc c'est un point qui a été mentionné par Pierre avant via la démocratie, mais le marché fonctionne particulièrement bien pour les néolibéraux, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un accord collectif sur un système de valeurs, puisque les agents vont produire des échanges mutuellement avantageux, qui, par définition, lorsque vous échangez, maximisent l'utilité de chacun des parties. Vous n'achèteriez pas quelque chose s'il ne vous apportait pas plus d'utilité que ce que vous êtes prêt à acheter, et inversement pour le vendeur. Donc il y a trois problèmes à partir de là, qui découlent de cette problématique néolibérale. C'est qu'une fois qu'on reconnaît la centralité du marché, le fait que ça va être le premier principe de la théorie, on va rencontrer trois problèmes importants. Un problème de justification. Comment est-ce qu'on justifie les règles du jeu? Donc je vous ai mentionné avec le basket, les bonnes règles du jeu. Est-ce qu'on va devoir passer par une expertise? Les ordres libéraux tendent vers ça. Est-ce qu'on va faire appel à l'évolutionnisme? Lippmann et Hayek tendent vers ça. Ou au contractualisme, comme on a vu avec Buchanan. Un problème épistémique. Qu'est-ce qui autorise cette planification libérale? C'est un terme également, je le mets entre guillemets, parce que c'est un terme qui intervient dans la littérature. Le néolibéralisme, c'est un type de planification sur les règles qui caractérise le néolibéralisme. Donc. Et comment est-ce qu'on connaît les bonnes règles et on s'assure de leurs effets? Et enfin, un problème juridique. Toutes les théories néolibérales se complètent par une théorie du droit qui va non seulement préciser la manière dont on édicte les règles, mais également dont on va pouvoir étudier leur évolution, puisque si l'ordre social est spontané, et comme dans un marché, il va sans cesse générer des problèmes, des désaccords qu'il va falloir arbitrer. Et dans les trois cas, pour ces trois problèmes, le marché et la concurrence, ils vont jouer un double rôle. Ça va être non seulement ce qu'il va falloir instituer, donc le marché institué, mais il va également jouer un rôle instituant, à savoir le modèle du marché qu'on a à l'esprit, et l'idéal, ses caractéristiques normatives idéales qu'il possède, va être ce qui va justifier qu'on va instituer le marché. Un peu obscur pour le moment, mais je pense que je vais arriver à clarifier ça par la suite. Donc il y a trois réponses. Trois plutôt exemples de réponses de cette radicalisation, c'est un terme de Gilles Christophe pour le néolibéralisme, donc radicalisation, le fait de passer d'une défense des marchés tels qu'ils existent à le marché exporté comme modèle. Premier exemple, c'est Hayek, et je pense qu'on en entendra parler plus tard, du coup je vais faire la story rapidement, mais ça se lit particulièrement bien dans ces deux ouvrages de philosophie politique principaux, que sont La Constitution de la Liberté et Droit, Législation, Liberté, donc publiés en 1960 et 1973 à 79. Et dans ces textes-là, Hayek, il opère une
transformation, je pense, vis-à-vis de ses premiers textes, donc comme Free Enterprise and Competitive Order, qui est un texte de 36 ou 37, mais qui après a été republié dans son ouvrage de 48, c'est ça, comme un chapitre, et dans lequel il a une théorie plutôt régulationniste, ça serait un terme économiste, mais il défend une théorie régulée du marché, et donc le marché doit être institué par des règles. Je pense les règles constitutives du marché, c'est qu'il y a les droits de propriété, il y a les droits des contrats, il y a les droits de la concurrence, il y a de la responsabilité administrative, il y a de la monnaie, tout ce genre d'institutions qui sont nécessaires pour le marché et que l'État doit prendre en charge. Plus tard, il va revenir un peu sur les conditions de possibilité, il va notamment défendre en 73 l'idée de monnaie non étatisée, donc la politique monétaire ne va plus être nécessairement l'objet d'une intervention étatique. Mais on a cette idée-là que le marché doit être institué par des interventions constitutives, mais aussi régulatrices. Régulatrices avec un marché de l'information. Il faut éviter que les gens qui vendent des produits qui soient de moindre qualité que ce qu'ils promettent. Il faut également toute une série d'infrastructures pour que le marché fonctionne bien. Des assurances également, des droits des contrats de la concurrence, toute une série de régulations. Typiquement, droit de la concurrence, on a parlé aussi, pour éviter la concentration, les prix prédateurs, etc. Donc, le marché est à la fois spontané, parce qu'on ne gouverne pas la manière dont les individus, on ne dirige pas la manière dont les individus vont faire leur choix, mais il n'est pas du tout naturel. C'est pas une entité naturelle qui émerge directement et naturellement des interactions individuelles. Comment sont obtenues les régulations? Elles sont obtenues par, chez Hayek, dans un premier temps, l'idée qu'on va pouvoir les définir par une position d'expertise. C'est ce qu'on a dans les premiers textes de Hayek sur la question, Free Enterprise and a Competitive Order. Il semble qu'on voit qu'il y a des problèmes qui se posent dans l'ordre du marché, là, avec la concurrence. On voit les réponses qu'il va falloir donner. Par la suite, il fait évoluer sa position. À mon avis, c'est sous l'influence du quatrième larron dont j'ai parlé, qui est Walter Lippmann. Mais il introduit l'idée que les règles qui encadrent et régulent le marché vont elles-mêmes non pas être justifiées de l'extérieur, mais qu'elles vont elles-mêmes être soumises à un processus de sélection. Donc c'est particulièrement visible dans le premier tome de Droit, Législation, Liberté, où il propose une théorie de l'évolution des règles, où il puise dans l'évolutionnisme culturel pour montrer comment la sélection de groupe sélectionne les règles les plus aptes à générer un ordre libre. Mais également, dès 1939, dans ses théories sur le fédéralisme, via la concurrence des règles entre elles, la concurrence institutionnelle. Donc dans le premier cas, ce qui est intéressant, c'est le fait que pour déterminer quelles sont les bonnes règles du jeu, il va faire appel à un mécanisme qui est un mécanisme de sélection par la concurrence des règles. Donc vous voyez le marché instituant qui justifie quelles sont les bonnes règles du jeu. C'est ce que je disais au début. Et dans le deuxième cas, la concurrence des règles via la concurrence institutionnelle, on a donc des règles qui vont être les bonnes à partir du moment où elles sont sélectionnées par les individus, par un processus de boucle de rétroaction, qui vont sélectionner les cadres institutionnels qui leur correspondent le mieux. Et donc on va sélectionner les territoires, dans le cadre d'une fédération, les entités fédérées, qui sont les plus performantes selon les avis des individus. Donc on a cette idée du marché instituant comme modèle de justification des règles. Ça, particulièrement important, c'est l'idée là que le marché doit non seulement être institué, mais que le modèle du marché et ses critères normatifs, à savoir notamment que ça respecte le choix individuel, que ça va fonctionner sur l'avantage mutuel, que ça maximise la liberté des individus, va fonctionner comme ce qui justifie l'émergence et l'évolution des règles sociales et politiques elles-mêmes. Donc je vais vite sur Hayek, parce que je pense qu'on va revenir dessus. Je vais aller aussi vite, je pense, sur Buchanan, vu qu'on vient d'en parler. Et c'est un deuxième exemple de cette manière-là dont on passe du marché institué au marché instituant. Et je pense que ça se voit bien dans effectivement les trois livres que tu as mentionnés, Pierre, à savoir Calculus of Consent en 62, Limits of Liberty en 75 et Reason of Rules en 85. Alors pourquoi ? Bon, déjà on retrouve
la même thèse que chez Hayek, chez Buchanan, sur le fédéralisme à ce niveau-là. La concurrence institutionnelle, il développe aussi et reprend en fait un modèle de Thibaut, Ostrom et Warren sur le voting with the feet, c'est-à-dire on vote avec les pieds, ce qui est le mécanisme de rétroaction que j'ai mentionné sur le fait qu'on va sélectionner les entités fédérées qui ont les bonnes règles sociopolitiques à partir des migrations. On autorise les gens à bouger, à migrer, à être mobiles, et ils vont sélectionner par leur migration, ce qui va faire en fait ce qui va avoir la même fonction que le mécanisme des prix. On va sélectionner les entités les plus efficientes. Mais la particularité de Buchanan par rapport à Hayek, c'est qu'il ne repose pas sa position sur l'évolutionnisme, mais qu'il va penser il va passer par le contractualisme. Je pense que c'est relativement clair après l'exposé qu'on a eu. Passer par le contractualisme, et il va penser l'échange comme modèle pour penser la légitimité des règles. Lorsqu'on est dans l'état de nature, ce qui a priori justifie l'émergence de droits de propriété entre les individus, ça va être l'échange qu'ils font, plutôt le processus d'échange entre les individus va, via l'avantage mutuel qui est garanti par les individus, garantir la justice. C'est-à-dire, si on considère que, comme Buchanan, que les accords constitutionnels qui établissent les droits de propriété sont garantis par le fait que les individus reconnaissent qu'ils introduisent par là la possibilité de faire des échanges mutuellement avantageux, en limitant la possibilité d'avoir des comportements opportunistes, j'ai un champ, vous avez un champ, et je passe en fait le trois quarts de mon temps à essayer de voler ce que vous faites, et vous faites de même. Si on exclut ces positions-là en érigeant un Léviathan, dans ce cas-là, on laisse la voie ouverte à des échanges mutuellement avantageux, et c'est ce qui nous motive à faire ce choix. Donc c'est parce qu'on a le modèle du marché à l'esprit et du l'avantage mutuel qu'on passe cet accord qui justifie les règles du jeu dans lesquelles les échanges vont avoir lieu. Donc le marché, ce n'est pas juste un mode d'organisation sociale, dans ce cadre-là, mais c'est le mode de partage des ressources qui est par essence justifié. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul qui est spontanément justifié comme mode de partage des ressources, et la démocratie va intervenir en deuxième temps comme comme manière de gérer les différents désaccords entre les individus sur ce mode de partage, et avec des cas particuliers. Mais le mode par défaut, ça va être le mode de marché avec des échanges mutuellement avantageux. Donc là, encore, c'est pas pour dire que il a tort de faire ça, ou que c'est mauvais en soi, mais c'est pour montrer la spécificité de cette réponse-là, et le fait que le marché lui-même et le modèle de l'échange vont venir structurer le type de réponse qui va être donnée au problème néolibéral. Donc, l'échange et le marché vont devenir les concepts normatifs d'arrière-plan vis-à-vis desquels il faut juger les alternatives. On va juger les mécanismes démocratiques vis-à-vis de ce que contrefactuellement aurait permis le marché. On va juger les modes d'organisation locaux, sans passer nécessairement par la démocratie, mais des formes d'autogestion, etc., vis-à-vis de ce que, alternativement, il aurait pu être établi par le marché. Donc le fait de poser systématiquement comme benchmark le marché concurrentiel fait bien passer le marché de une entité effective à le modèle qui permet de justifier quelles sont les bonnes pratiques ou les moins bonnes. Troisième exemple, c'est Posner, on en avait parlé aussi. Il y a, je pense, le livre principal pour les philosophes, c'est The Economics of Justice en 83, dans lequel il fait, c'est une sorte de compilation de ses différents articles, puisque Posner a été incroyablement productif. Je pense qu'il devait écrire 25 articles par an à peu près. Il a inondé littéralement le champ de l'analyse économique du droit. Et vous retrouvez un peu son best-of dans ce livre-là. Et il présente en fait une troisième forme de cette radicalisation. Donc on avait chez Hayek, via l'évolutionnisme, la sélection des règles par la concurrence. Chez Buchanan, le modèle de l'échange qui va être le point de référence à partir duquel on va devoir juger toutes les autres modes d'organisation alternatives. Et chez Posner, ça va être encore légèrement différent. C'est que le droit lui-même va être soumis au marché hypothétique.
Alors qu'est-ce que c'est que ce marché hypothétique ? Il faut le distinguer des marchés explicites et des marchés implicites. Marché explicite, c'est relativement clair, c'est les marchés qu'on connaît. Vous allez acheter un fruit, vous allez sur... soit sur internet pour un fruit, ça serait bizarre, mais soit au supermarché ou chez un chez un vendeur de fruits, et vous faites votre échange contre de la monnaie. Vous êtes sur un marché explicite, c'est très clair. Marché implicite, pour Posner, il donne toujours des exemples un peu border, mais c'est typiquement les cas où il n'y a pas de prix explicite, il n'y a pas de prix en monnaie, mais on pourrait exprimer ce prix en monnaie sur des biens qui sont rares. Alors il donne typiquement l'exemple des marchés matrimoniaux, sur lequel vous mettez pas de prix effectif sur le bien, mais il y a de l'offre et de la demande, et il y a une valeur différenciée des biens sur un marché matrimonial. Et je pense que dans une certaine mesure, les applications de rencontres qui donnent des notes, etc., elles font une forme de prix explicite, elles explicitent le marché implicite pour Posner. Le marché hypothétique, ni explicite ni implicite, mais c'est le marché qui aurait existé si les biens dont on parle avaient été soumis au marché concurrentiel. Et pas donc à n'importe quel marché explicite qui n'est pas forcément concurrentiel, mais un marché parfaitement concurrentiel, dans lequel il y a atomicité, équilibre, efficience des contrats, etc. Donc des marchés qui n'existent pas, mais qui vont servir de normes pour édicter le droit. C'est ça qui est la spécificité de Posner. Donc c'est un marché instituant au sens fort, puisque le droit, il doit mimer, c'est la phrase de Posner, le « law should mimic the market », sachant qu'elle doit limiter alors que le marché n'existe pas, c'est un peu la difficulté. Donc mimer ce qui serait produit par un marché concurrentiel si les objets qu'on étudie étaient soumis à un marché concurrentiel. Donc ça donne des cas un peu spécifiques. Donc il analyse en fait rétrospectivement toute la jurisprudence américaine. Donc il y a des cas où les cas typiques, c'est les cas de négligence dans la tort law, donc une partie du droit américain. Et donc ça va être le cas d'une décision de la cour d'appel du début du XXe siècle, d'une des cours d'appel du début du XXe siècle, dans lesquelles un garçon joue au-dessus d'un pont. Le pont est possédé par une entreprise de train et les rails sont électrisés. Le garçon joue avec une sorte de bâton un peu métallisé qui est conducteur et il s'électrocute en jouant au-dessus du pont. Et Posner va se demander qui est responsable du dommage. Est-ce que c'est la compagnie qui n'a pas mis de protection autour du pont qui était potentiellement dangereux, ou est-ce que c'est le garçon qui n'a pas pris suffisamment de précautions ? Et pour répondre à cette question, il va passer par le marché hypothétique. Quels étaient les coûts de chaque partie quels sont les coûts pour chaque partie pour éviter ce dommage ? Pour la compagnie, ils sont extrêmement élevés, parce qu'il faudrait qu'ils mettent des grilles sur des centaines de kilomètres de rails, etc. partout. Et pour le garçon, ils sont relativement faibles. Il ne faut juste pas jouer avec un bâton en métal autour d'un rail de train. Donc, Posner va dire que s'il y avait une distribution efficiente des contrats, eh bien le garçon aurait pris un comportement qui était autre, et donc c'est la responsabilité qui pèse sur lui. Donc on voit cette idée-là, on n'a pas de marché explicite, il n'y a pas de prix il n'y a pas de prix sur cette interaction, mais s'il était possible d'avoir un marché concurrentiel, on aboutirait à une loi qui devrait maximiser l'efficience caractérisée en dollars. Et dans ce cas-là, celui qui est responsable, c'est celui qui a le plus bas coût pour éviter le dommage. Donc il fait ça, mais sur absolument tous les différents domaines de la jurisprudence, qui est un peu sa caractéristique et qui marque la naissance de l'analyse économique du droit. Ce qui est important, et je l'ai mentionné, c'est que ce critère d'efficience qui passe par les marchés hypothétiques, c'est un critère qui est celui de la maximisation des richesses calculées en dollars. La position un peu la plus extrême, c'est-à-dire la maximisation des valeurs via le marché hypothétique, c'est la maximisation, non pas de l'utilité, mais du dommage calculé en dollars. C'est-à-dire que si quelqu'un est très riche, typiquement, chez Posner, on va devoir accepter son intérêt doit être favorisé. Je donne un exemple un peu scandaleux dessus, où quelqu'un qui est très riche
et qui veut utiliser une fleur pour la mettre dans son thé. Et cette fleur, en fait, est médicinale, et il y a un enfant d'une famille pauvre qui a besoin de cette fleur pour guérir son organe, etc. Posner va dire, ce qui maximise l'efficience, c'est que on donne la fleur aux riches pour son thé, parce que ça maximise la richesse en dollars. Ça va évidemment donner ça va susciter un énorme débat, notamment avec un théoricien du droit extrêmement central, qui est Ronald Dworkin, qui va discuter l'analyse de Posner. Mais ce qui est intéressant, c'est que même Dworkin, si vous connaissez peut-être ses articles sur l'égalité dans Philosophy and Public Affairs, va aussi réutiliser le marché assurantiel pour déterminer la manière dont on va garantir les droits de propriété individuelle, ce qui a été analysé par certains, dont Katharina Forrester, vers laquelle je reviendrai par la suite, comme étant un exemple, même chez la gauche, qui discute avec les néolibéraux, d'une forme de marketisation de leur pensée. Les résultats auxquels j'arrive à partir de là, c'est qu'on a quelques résultats assez centraux pour les néolibéraux, quand on part de leurs problèmes et de la manière dont ils essaient d'y répondre. Un des premiers résultats importants, c'est la dynamique de l'intervention et la question de la faisabilité des différentes réformes. Chaque régulation ou modification des règles ne va pas nécessairement être interdite a priori, mais on va devoir nécessairement considérer les limites épistémiques, c'est-à-dire qu'est-ce que la règle va modifier dans l'état du monde et est-ce que je suis capable d'anticiper ce que la règle modifie. Donc dans certains cas de règles très générales, on va pouvoir prédire pour Hayek typiquement des patterns, certains types de comportements qui vont pouvoir émerger, mais on va jamais pouvoir produire du détail, de la connaissance du détail. Donc il va falloir se limiter dans l'intervention à des modifications suffisamment générales pour que on puisse anticiper des types de comportements en patterns, mais il va jamais falloir croire qu'on va pouvoir diriger de manière fine ce vers quoi l'ordre spontané va pouvoir nous diriger. Deuxième point, c'est la vulnérabilité stratégique. Je pense qu'on en a mentionné avec Buchanan. Je mentionne par là, en gros, le fait que les différentes règles vont être soumises à des pressions dues à des comportements opportunistiques, donc les free riders, typiquement. Il faut que les règles qu'on met en place soient non seulement capables de passer un test épistémique, mais aussi qu'elles soient capables de passer un test stratégique. Fait que si notre règle est soumise, prête le flanc au fait que des individus rationnels l'exploitent systématiquement, alors la règle elle-même doit être abandonnée. Et enfin, les coûts de l'intervention, ça c'est particulièrement important chez aussi bien Hayek, mais surtout Buchanan et Posner, qu'il faut juger l'amélioration vis-à-vis du statu quo à ce que le marché produirait en contrefactuel, et l'intervention elle-même qui repose sur une activité étatique implique elle aussi des coûts qu'il va falloir comparer avec ce que le marché, même s'il est défaillant, peut produire. Donc systématiquement introduire de l'analyse coût-bénéfice dans la régulation. Deuxième point important, c'est la reconnaissance du pluralisme radical. Et là aussi, on voit comment est-ce que le marché joue un rôle important. Puisque si on reconnaît qu'il est impossible de normaliser toutes les perspectives sur le monde social et politique pour aboutir à un accord démocratique, par exemple, ou politique, le marché, lui, en revanche, n'a pas besoin de cette normalisation pour fonctionner. Le prix, comme mécanisme de coordination, fonctionne de manière minimaliste. On a juste besoin d'avoir une information pour pouvoir coordonner ses plans avec les autres, mais on n'a pas besoin de savoir si ils sont démocrates ou républicains, si ils votent France Insoumise ou Rassemblement National, etc., etc. Donc le marché va être aussi un paradigme de la coordination politique. Et enfin, la considération de la complexité sociale, qui invite pour les néolibéraux à repenser les différents concepts centraux de la philosophie politique. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été, consacrés à la souveraineté, notamment si on met en place du libre-échange, il va y avoir une pression sur les taux de taxation des différents États. Donc est-ce qu'on est encore souverain de pouvoir émettre des taxes suffisamment élevées pour financer l'État social, mais également sur les prérogatives du gouvernement, sur les droits, il y a tout un débat, je reviens juste après, sur les droits économiques, sur les limites de la démocratie, on l'a mentionné avant, les modalités de l'action publique, via les limites que j'ai mentionnées par avant, et le marché est perçu comme un mécanisme de coopération sociale qui économise la centralisation de l'information. Le fait est donc qu'il va falloir le
justifier toute régulation au-delà sur à partir du de la charge en fait la charge de la preuve va peser sur ceux qui veulent davantage de régulation systématiquement, avec le fait que chez aucun des néolibéraux plus de régulation est impossible a priori, mais qu'il va falloir passer ces différents tests qui sont relativement demandants. Alors j'en viens enfin à ce à quoi j'avais dit que j'allais parler. Moi je vois 5 minutes, parfait, ok. Je speed sur la fin. J'en viens enfin à ce à quoi j'ai dit que j'allais parler. C'est quel type de postérité pour les problèmes néolibéraux ? Je commence par In the Shadow of Justice de Katharina Forrester, qui a été publié en 2019 et qui étudie en gros la postérité qui étudie la transformation du champ de la philosophie politique via Rawls. Et elle fait toute une histoire où elle dit Rawls, dans les années 50, il était en contact avec des auteurs néolibéraux, chez Knight et Buchanan notamment, avant d'écrire la théorie de la justice. Et via la théorie de la justice, il y a toute une série de concepts et de préoccupations néolibérales qui ont infusé dans le champ de la philosophie politique. Ce qui est une thèse assez forte, hein, j'ai mis « abusive » entre guillemets, mais qui me semble intéressante. Et je voulais voir à quel point est-ce qu'on pouvait travailler à partir de cette hypothèse-là, à partir des néolibéraux plutôt que de Rawls. Et je pense qu'il y a un domaine sur lequel ça s'y prête particulièrement bien, c'est la question de la justification des règles, avec une marketisation de la justification. Puisque c'est un thème qui apparaît explicitement chez les néolibéraux, avec une interface entre les théories néolibérales et les théories contractualistes plus traditionnelles, notamment chez Rawls. Le marché, comme je l'ai dit, va être pensé comme une instance de légitimité de l'échange et de la négociation. Et on trouve ça chez toute une série de néo-contractualistes qui s'inspirent ou qui sont directement dans les mouvances néolibérales, donc Buchanan, Limits of Liberty évidemment, David Gautier en 84 qui se réfère directement à Buchanan par avant, Buchanan Brennan j'ai cité, Gerald Gauss que j'ai mentionné par avant, et Bob Sogden qui a son livre coupé par mon PowerPoint, mais qui a écrit Community of Advantage, c'est le titre du livre, Behavioral Economist Defense of the Market. Et ces différentes positions vont s'exprimer en opposition avec les théories qui impliquent un point de vue, réel ou supposé, capable de s'extirper d'une pluralité axiologique. Et donc ils vont critiquer directement des gens comme Rawls, Sen ou Habermas, qui vont supposer qu'on peut surmonter le pluralisme axiologique des individus via un mécanisme de délibération, par exemple, donc la situation idéale de délibération pour Habermas, chez Rawls, les différents... possibilité de passer par un accord hypothétique ou par la raison publique, et chez Sen, par la raison publique également. Je pointe les deux directions qui ont été particulièrement empruntées, la première étant celle sur le marché et les règles de justice, et les principes de justice, à savoir directement en confrontation avec Rawls. C'est tout un débat qui est relatif au principe de différence. Généralement, les néolibéraux ou les gens qui s'en inspirent n'ont pas trop de problèmes avec le principe d'égale liberté ou le principe d'égale opportunité, ils ont un problème avec le principe de différence. Et les deux exemples, je pense, les plus parlants, c'est John Tomasi et Jason Brennan. Avec Tomasi qui, dans son livre « Free Market Fairness », directement inspiré de Hayek, défend une démocratie de marché qui consiste à considérer que le principe de différence va se trouver réalisé non pas par des institutions redistributives, mais par des marchés concurrentiels, qui n'existent pas effectivement, mais dont le modèle montre qu'on peut réaliser des buts sociaux, et notamment la maximisation des intérêts des plus pauvres, via une redistribution qui passe directement par le marché. Et donc on va motiver des modifications institutionnelles via l'idée qu'on se fait des marchés concurrentiels. Le deuxième qui développe une idée semblable, c'est Jason Brennan, qui développe le paradoxe rawlsien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette idée-là, mais c'est l'idée, en gros, que en cherchant à maximiser directement par la redistribution la position des plus mal lotis, donc qui est la conséquence du principe de différence, en réalité, on va endommager le processus économique d'innovation et de création. Et sur le long terme, les plus mal lotis de la société égalitaire vont être plus mal lotis que les plus mal lotis d'une société inégalitaire. Donc c'est cette idée-là que si les marchés concurrentiels fonctionnent
comme dans le modèle, dans le modèle d'échange mutuel, donc avec des échanges Pareto supérieur à chaque fois, eh bien on va avoir une maximisation du principe, enfin plutôt une réalisation du principe de différence via la concurrence. Deuxième point, mais peut-être que je vais conclure là-dessus rapidement, puisque ça renvoie aussi aux questions de concurrence institutionnelle, c'est que la justification passe aussi par, dans la littérature contemporaine, sur la justification des institutions dans la concurrence institutionnelle, donc la concurrence entre différentes entités non nécessairement fédérées, donc ça peut être au sein de l'Union européenne, qui est généralement considérée comme un laboratoire, mais au sein de fédérations comme les États-Unis, le Canada, la Suisse, qui est une grosse inspiration généralement, mais aussi des États qui sont unis par le droit international et des institutions comme l'OMS et tout, ou l'OMC plutôt. Et donc on va avoir la justification, à savoir la légitimité de certaines institutions, qui va être obtenue non pas par la délibération et l'accord direct entre les individus, mais via la concurrence institutionnelle et l'émigration. Donc la justification des institutions est obtenue par la concurrence, et c'est, je trouve, particulièrement explicite dans deux ouvrages, enfin, un ouvrage et un article, un de Kevin Vallier et un de Robert Taylor, qui cherchent à maximiser ce qu'ils appellent le « exit rights », le droit pour les individus, non pas d'exprimer leurs préférences via la délibération, le « voice », mais d'avoir des options de partir de leur pays, d'émigrer, de bouger d'endroit, pour bénéficier de davantage d'opportunités ailleurs. Et donc c'est en lien, typiquement, je pense, Raphaël, tu dois connaître, avec les travaux de Slobodian dans son dernier livre sur « Cracked Up Capitalism », dans lesquels on essaie de multiplier des villes expérimentales dans lesquelles on va pouvoir payer moins de taxes, les exemples étant Hong Kong, dont on cherche à multiplier les exemples. Voilà, je finis là-dessus. Merci beaucoup. Donc, est-ce que... Oui, Raphaël ? Non, d'accord, si vous avez des questions, sinon moi j'ai plusieurs questions et remarques à faire. Mais... Alors, je vais commencer assez brièvement. Merci pour ton exposé qui était très intéressant et très synthétique et très clair. Moi, du coup, j'avais, si je reviens au postulat de départ qui est savoir faire une théorie politique du néolibéralisme, la question que j'avais envie de te poser sous ton exposé, c'était comment est-ce que tu envisages le fait que. Enfin, je pense que c'était l'argument qui était formulé par Vergara. Sur est-ce que la justification du marché ou la place du marché, elle est conséquentialiste ou déontologique, que ce soit moral ou déontologique, et comment est-ce que donc est-ce que tu envisages le fait que pour faire la théorie politique du néolibéralisme, qui soit peut-être pertinent, surtout si jamais on emploie une approche, on va dire, marxiste ou post-marxiste, de considérer que la défense du marché par les néolibéraux, c'est une défense qui est instrumentale. C'est-à-dire que ce qu'ils cherchent vraiment à défendre, c'est-à-dire qu'ils ont formalisé des développements sur le marché qui vont être très importants parce que contextuellement, ils cherchent à s'opposer au keynésianisme et à justifier justement de façon scientifique, la plupart du temps conséquentialiste, philosophie politique, mais en fait, leur conception du marché, elle reflète des valeurs, enfin justement, c'est le point que tu soulevais sur le coup de la question du choix des règles pour effectivement le marché, quid de l'intrusion des valeurs dans la fixation de ces règles ou dans ce qui constitue le bon fonctionnement du marché. Et donc voilà, est-ce que la défense du marché, elle peut être, est-ce que tu envisages le fait qu'elle soit que purement instrumentale? Ce qui explique incidemment pourquoi est-ce que, et ça rejoint, donc ça fait un peu le pont avec la communication de Pierre, le fait que en fait, le raisonnement entre guillemets instrumental qui est mobilisé, il peut être mobilisé à des fins très différentes, c'est-à-dire il peut être approprié par soit des libertariens qui vont le pousser dans une direction différente, soit ça peut être le cas par d'autres, enfin, à gauche ou à droite, et également le fait que si on se base uniquement sur le marché, on prend comme point de départ le marché, on a une difficulté parfois à systématiser la pensée des auteurs parce que finalement leur conception du marché ou des règles applicables ou de ce qui est censé être le rôle efficient du marché, parfois on a l'impression que ça répond plus à un objectif, ça répond plus à
Enfin, ça, je trouve qu'il est plus contextuel, et donc et ça a été justement, c'était aussi le cas de le propos de la communication de Mathieu, mais en fait, bon, il s'oppose à la concurrence, donc, au début, il défend la concurrence pour lutter contre les monopoles publics. En fait, quand il n'y a plus de monopole public, ils vont dire, bon, en fait, la concurrence, c'est pas la chose la plus, la plus justifiée, le fait de limiter la concurrence. Donc voilà, moi, c'était, et si on reprenait justement des exemples sur l'application de leur théorie du marché à des questions plus sociétales, par exemple, si on prend le divorce, si on prend tout un tas d'autres considérations, est-ce que le marché, pour l'exprimer par exemple dans le langage de Frieden, c'est pas le concept adjacent d'autres concepts qui sont clés chez le néolibéralisme, mais en fait, quand on a l'illusion, quand on lit leur texte, que en fait, c'est le marché qui est le plus important. Ok, donc ça boucle un peu avec la question de savoir si c'est instrumental ou déontique. J'ai essayé de faire des réponses courtes, s'il y a plusieurs questions. Alors je dirais, c'est les deux. Il y a une dimension épistémique qui est claire dans la coordination par les prix, et donc le marché permet une meilleure coordination entre les besoins des consommateurs et les producteurs, permet des incitations, etc. Mais il y a aussi une dimension déontique qui est claire, à savoir que le marché, plutôt une société de marché, produit des individus qui sont libres parce qu'ils ne sont pas soumis à la volonté arbitraire d'autrui. Il y a toute une veine en fait proto-républicaniste chez les néolibéraux en ce sens-là, savoir que ça donne des options d'exit systématiquement aux individus, mais aussi qu'on se réalise par les relations marchandes, et que le marché, c'est un vecteur de civilisation, un vecteur de moralisation des relations. Donc c'est une thèse qu'ils défendent. Sur la suite de tes questions, si on prend je pense que ça a même un effet, cette centralité du marché pour eux, puisque c'est quand même relativement explicite dans la toute première partie où ils revendiquent tous, le marché c'est le premier principe de tout libéralisme possible. Ça a des effets sur la façon de traiter les problèmes sociaux. Je prends l'exemple du couple, typiquement. C'est un exemple que prend Bob Sogden dans son livre, qui est de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir les droits des individus, typiquement les droits des femmes, si on veut que ça progresse. Est-ce qu'il faut essayer d'avoir une position paternaliste en essayant de dire ce qui est bien pour elles, ou est-ce qu'il faut élargir le plus possible leurs opportunités? Et il dit la chose qui a le plus œuvré pour le droit des femmes, c'est quand on a autorisé les femmes à divorcer, quand on leur a donné une option en plus. Et donc ça donne un peu l'indice sur la direction qu'il y a pour traiter les problèmes de droit et les problèmes sociaux. Ça va pas être de sélectionner spécifiquement des situations finales vers lesquelles les individus doivent aller, mais d'ouvrir le plus possible leur ensemble d'opportunités pour qu'ils fassent les meilleurs choix pour eux-mêmes. Donc ça peut être critiquable certainement, mais je pense que c'est le schéma du marché va aussi jouer en fait dans la résolution des problèmes sociaux en ce sens-là. On en reparle par la suite si tu veux. D'autres questions ? Rapidement, en fait, c'est parce que comme tu n'as pas eu le temps de l'évoquer, et que en France, la référence à Ostrom se présente comme une sorte de référence de théories permettant de critiquer les théories néolibérales du marché. Je suis plutôt assez d'accord avec toi sur le fait qu'elle se situe dans la filiation plutôt qu'en rupture. Mais je vois que tu voulais, tu avais prévu d'en parler, alors donc je te donne l'opportunité de le faire, parce que ça m'intéresse et j'imagine que tu as plus éclairé avec moi sur cette question. Ah, mais effectivement, il y a toute une continuité qui passe par Vincent Ostrom beaucoup, qui lui était encore plus explicite dans la continuité avec les thèses néolibérales, où alors pour le coup il a fréquenté dans les mêmes institutions Buchanan. Mais quand on lit le début de Governing the Commons, il y a cette idée-là de la tragédie des communs et du fait qu'elle veut dépasser l'opposition entre les partisans de la propriété privée qui veulent systématiquement définir des droits de propriété pour répondre au problème de la tragédie des communs, et les gens qui considèrent que c'est toujours mieux de gérer en commun, dans des petites communautés, etc. Et elle dit, en fait, tout ça dépend de situations locales, de coûts, etc.
Et ça correspond assez bien, je trouvais, dès 90, en fait, ça devient encore plus explicite sur analyzing institutional diversity, où pour le coup, elle se réfère directement au problème de Hayek avec la polycentricité, le fédéralisme, les problèmes épistémiques. Mais dès 90, qui est généralement le texte que les gens citent comme étant le plus libertaire compatible, ou socialiste compatible, ou je sais pas comment on pourrait, ou bien commun compatible, il y a cette idée systématiquement qu'il va falloir faire une analyse coût-bénéfice, qu'on va devoir analyser la gestion d'un bien commun, et que cette analyse coût-bénéfice va passer à la fois par la résolution de des différents problèmes que je pointais dans la slide celle-ci, pour la dynamique de l'intervention. À savoir qu'on doit répondre aux questions de limite épistémique, de la gestion du commun. Il ne faut pas que le commun ou la communauté soit trop importante. Il faut qu'on reste dans une question, un ensemble où les coûts de transaction sont relativement faibles, où les individus peuvent se connaître, etc. Et on va devoir répondre au problème de vulnérabilité stratégique également. À savoir que il y a toute une analyse dans Governing the Commons sur le taux d'actualisation des individus, est-ce qu'ils sont plus ou moins sensibles aux interactions qu'ils vont avoir avec les autres individus par après, etc. Et donc, le free riding, qui est au cœur de la tragédie des communs, lui-même, en fait, la formalisation même de la tragédie des communs vient de parallèle avec les théories néolibérales. Donc, c'est une manière de poser le problème qui, même si dans Governing the Commons, il me semble qu'elle ne se réfère pas directement à Buchanan et Hayek, alors qu'elle connaît très bien ces textes-là. C'est une manière même de formuler le problème qui me semble, si ce n'est analogue, au moins extrêmement proche de ce que les néolibéraux proposent. Merci. Une question là-bas. une dernière question. Non, c'est peut-être... Parce que j'aurais voulu voir, en fait, dans ta dernière diapo, le livre de Taylor, enfin, j'ai du mal à voir comment tu le situes dans le... Parce que, vraiment, une voie complètement différente. Hein. C'est-à-dire que je comprends, en fait, que c'est une illustration de la façon dont la littérature, par exemple, l'inspiration néo-républicaine va craindre la domination de l'État et va plutôt se référer à des mécanismes de non-domination via l'exit, oui. Via la concurrence, sauf que c'est pas du tout le même type de marché, c'est un marché qui est plus pensé dans une logique de coopérative. Alors, c'est vrai. Alors, chez les néolibéraux, il y a toujours l'idée que la concurrence est une coopération aussi. Donc, ouais. Mais chez Taylor, c'est vrai. Il y a l'idée que les différentes parties vont pouvoir s'accorder sur des règles communes coopératives, vu qu'ils se situent au sein d'un seul État et pas au sein d'États en concurrence entre eux. Mais si on regarde le détail de ces propositions, il est relativement systématiquement contre les mécanismes de voice, typiquement la co-gestion d'entreprise, le fait que les individus puissent faire pression démocratique au sein de leur... ou plutôt, la pression démocratique vient du fait qu'on élargit leur ensemble d'opportunités et qu'ils peuvent partir. Et il me semble que c'est relativement... Alors maintenant, sa thèse est devenue, je pense, relativement forte au sein du républicanisme, mais à l'époque où il l'écrit, en 2017, c'est relativement... spécial au sein du républicanisme d'introduire toute cette théorie de marché concurrentiel qui permette de générer de la non-domination. Mmh. Et il se réfère lui-même énormément, si on regarde, je pense, les réseaux de référence qu'il a, au modèle de Thibault qui est développé avec Ostrom, au texte de Hayek sur l'efficience informationnelle, etc. C'est pour ça que je l'ai mis dedans, alors qu'il est un peu dans une... Il fait de la jonction avec une autre littérature, mais il me semble réutiliser en fait énormément d'arguments instrumentaux et normatifs qui viennent de cette littérature qui m'intéresse au début. Non, ma référence, c'est que... Enfin, je comprends, mais c'est simplement que le type de contrainte de marché me semble obéir à des logiques très différentes, même si effectivement il va y avoir des limites, par exemple, de structure coopérative. On est quand même très loin de ce que tu expliquais chez, Oui, typiquement, oui, chez Posner, pas vraiment. Mais je pense que c'est justement un texte intéressant parce qu'il fait une,
il est à la frontière un peu de différents domaines, mmh. et qu'il montre, et c'est aussi, je pense, quand les problèmes néolibéraux s'étendent à autre chose, ils se diluent aussi potentiellement, et donc les problèmes viennent à se mélanger avec d'autres littératures, et c'est là où ça devient plus compliqué aussi d'en faire le tracé, mais je trouve que c'est un bon exemple de ce passage de problèmes d'un champ à l'autre, le texte de Taylor. Voilà. Dernière petite remarque. Voilà. Brennan, je n'ai jamais compris en fait pourquoi on a parlé de telle importance. Chacune des thèses qu'il soutient, j'ai l'impression que c'est juste un marqueur radical qui nous permet de nous positionner par rapport à lui. Tu vois, quand on lit sur la démocratie, ça apparaît tellement exagéré en fait que c'est comme si son index de citation était surélevé parce qu'on a besoin de se positionner par rapport à lui. Là, c'est peut-être une stratégie d'ailleurs. Je pense que je me fais presque un devoir d'intervenir à chaque fois qu'on peut intervenir une thèse de Brennan dans le débat parce que ça m'apparaît presque artificiel en fait. Mais bon, après on peut avoir un désaccord sur la valeur. Oui, je pense, là je le fais intervenir principalement pour parce que je trouve qu'il représente bien cette idée. Il représente bien l'idée que si on part de l'idéal des marchés concurrentiels et qu'on leur accorde les différentes propriétés normatives qu'on veut leur accorder, eh bien on peut leur faire jouer ce rôle de justification. On peut réaliser les principes de justice avec, on peut faire plein de choses. Très bien, merci beaucoup. Donc je pense que c'est le moment de conclure. Je vais essayer de ne pas être très long. Merci beaucoup, Nathanaël. Merci à vous. Donc tu as déjà évoqué effectivement pas mal de choses sur le néolibéralisme de Frédéric Hayek, qui est mon objet de recherche et d'obsession, d'obsession même autistique, on va dire. Mais j'ai noté énormément de réflexions qu'on pourrait vraiment approfondir dans tout ce qui a été dit, notamment sur la notion de droits sociaux et de fondation des droits. Et je vous remercie tous et toutes pour votre participation et votre présence. Donc, pour conclure, je dirais que le néolibéralisme est un objet qui a quelque chose de furtif, voire d'insaisissable. Donc Mathieu Montalban avait précisé que le terme de néolibéralisme peut faire référence plus à une posture militante qu'à un ensemble de théories homogènes. Et je pense qu'il a raison sur ce point-là, c'est-à-dire que le terme de néolibéralisme ne recouvre pas une école de pensée. Bon, je dis là une sorte de la palissade ou d'autruisme, mais ce qui va permettre de dire que, en fait, il faudrait, comme le disait Raphaël, une grammaire qui soit adaptée. Et je pense que la grammaire qui est le mieux adaptée, d'après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est de multiplier ou de combiner trois approches. Je dirais d'abord une approche théorique et conceptuelle, c'est-à-dire le corpus qui se propose de refonder le libéralisme au XXe siècle. Ensuite, une approche qui serait plutôt structuraliste à la François Denord, c'est-à-dire qui permettrait de concevoir le néolibéralisme comme un réseau de réseaux. Donc le colloque Walter Lippmann, la Société du Mont Pèlerin, les différents clubs qui peuvent permettre de réunir à la fois des économistes, des universitaires, des chercheurs, des journalistes et des hommes d'affaires, ou des banquiers, donc un réseau de réseaux. Et la troisième et dernière approche, que j'essaie de développer j'essaie de faire ces trois approches dans la partie 1 de ma thèse sur Hayek, pour essayer justement de saisir, de cerner Hayek, même si je n'aime pas du tout le mot cerner, parce que je pense que la réalité est fluide et difficilement cernable, en tout cas que ça n'aurait aucun sens. Là, je pense que même Hayek ne cerne pas Hayek. La dernière approche, ou la troisième approche, serait de dire que le néolibéralisme correspond à des moments historiques. C'est des moments, c'est 1929, c'est 1938, c'est 1949, c'est 1973, c'est le tournant de la stagflation, etc. Et donc je pense qu'on a eu ces trois approches, donc à la fois conceptuelles, contextualistes, comme a pu dire Raphaël, et de moments historiques, qui nous permettraient de parler du néolibéralisme. Sinon, en fait, on ne pourrait pas parler du néolibéralisme.
Donc moi, par exemple, je spécifie à chaque fois que je parle du néolibéralisme, je parle du néolibéralisme de Hayek, ou le néolibéralisme chez Hayek. Donc je pense que, que ce point-là peut être un point à la fois de conclusion et de départ, ou de départ et de conclusion. Je vais prendre deux notions sur lesquelles je ferai quelques remarques personnelles. Je vais partir du problème qui me semble émerger de tout ce qu'on a pu dire, c'est le progrès et le marché. Parce qu'à chaque fois qu'on veut parler de justice sociale ou de droits sociaux, en réalité on parle du progrès. Et à chaque fois qu'on bute face à des objections, ces objections, qu'elles relèvent de la critique de la planification du socialisme ou de l'État-providence, c'est la primauté du marché. Le marché, le marché, le marché. Donc, dans ma thèse, je développe l'idée du marché comme transcendance immanente. Pourquoi ? Pour toutes les raisons que Nathanaël a pu exposer, c'est-à-dire le marché comme institution non pas seulement économique mais aussi épistémique, non seulement économique mais aussi anthropologique au sens de Dardo et Laval, une institution qui permet la coordination des choix individuels, donc c'est aussi une institution sociale qui permet d'organiser les interactions individuelles, et comme paradigme qui permet de penser à la grande société ou la société ouverte chez Frédéric Hayek, notamment dans droit, législation et liberté. Donc c'est pour ça que, in fine, lorsqu'on parle du marché chez les néolibéraux, tels que je les ai définis tout à l'heure, c'est qu'en réalité, on parle d'une transcendance immanente qui émergerait de nos propres préférences, qui est endogène, mais qui nous surplomberait, et qui donc s'imposerait à nous de manière quasi ontologique. Mais la question que je voudrais poser, c'est que, premièrement, le marché n'implique pas nécessairement la privatisation de toutes les sphères de la vie humaine. On pourrait tout à fait dire que certaines sphères de la vie humaine, comme la santé ou l'éducation, sont non marchandes. On pourrait le dire de manière contractualiste. On pourrait le dire de manière morale. Parce que ce qui manque, je pense, à l'analyse de Buchanan et de Posner et de Hayek, c'est la dimension morale et éthique de l'institution du marché. Donc le marché n'implique pas nécessairement la privatisation de toutes les sphères de la vie humaine. Et puis, deuxièmement, il y a un point aveugle chez les néolibéraux, en tout cas Hayek, que je prends comme paradigme de la pensée néolibérale, proposition que l'on peut contester bien évidemment, c'est la question du pouvoir et de la domination. On ne parle pas du pouvoir et de la domination qui se crée à l'intérieur d'une société marchande hyper concurrentielle. Ensuite, le marché a démontré qu'il peut créer des désordres graves. Quand on a introduit brutalement et violemment le marché par la théorie du choc en 1992-93 en Russie, on a eu des famines, on a eu une explosion du taux de la criminalité. Et il suffit d'aller à Moscou et de demander aux gens qui ont vécu la période 1990-1999 pour savoir qu'il y avait des gens qui mouraient de faim dans la rue. Parce qu'on a introduit le marché en privatisant totalement tout ce qui était propriété de l'État. Et donc ça aboutit. Et donc ça nous amène à la question des coûts et des bénéfices. En réalité, le marché ne calcule pas tout. C'est-à-dire que, et ici je me réfère entre autres à l'analyse de Pierre Bourdieu, qui est aussi un lecteur du néolibéralisme comme Michel Foucault ou Dardo et Laval, c'est qu'en réalité, les conséquences du marché, ou les conséquences d'accumulation de capitaux sur les marchés, produisent des effets sur les individus qui sont non quantifiables et qui ne sont pas internalistes au marché. C'est-à-dire que le marché, par exemple, peut produire des crises, par exemple, selon les cycles économiques. D'où l'invention de ce qu'on a pu appeler les stabilisateurs économiques, notamment les stabilisateurs macroéconomiques comme le SMIC, ou comme le RSA, etc. Donc les inégalités ont un coût. Par exemple, les inégalités créent de la violence sociale. Les inégalités créent de la criminalité.
C'est ce que démontre un certain nombre d'études sociologiques, notamment celle de Laurent Mucchielli. Donc tout ça, c'est bien évidemment, comme vous en doutez, une critique du marché comme transcendance immanente, instituée comme paradigme, ni naturel ni artificiel, mais finalement très construit, et comme dit Gilles Dostaler à propos de l'œuvre de Hayek. Hayek critique beaucoup le rationalisme constructiviste, mais Hayek est très constructiviste et très rationaliste, notamment dans le tome 3 de 1979 de Droit, législation et liberté, quand il construit sa constitution et son assemblée législative et son assemblée gouvernementale, il est très constructiviste. Donc je voulais faire toutes ces remarques sur le coût, ce que ça nous coûte d'ériger ou de laisser le marché s'ériger en tant que paradigme surplombant les interactions sociales. Et puis enfin, je voulais attirer l'attention sur la question du long terme. Je crois que c'était dans la thèse de Brennan, qui dirait que le paradoxe rawlsien, ce serait de limiter la liberté économique, abaisserait la situation des plus pauvres à long terme. Mais comme dit Keynes, à long terme, on sera tous morts. Donc qu'est-ce que c'est que le long terme chez les économistes? C'est une énigme que je n'ai toujours pas, que je n'ai toujours pas comprise. Mais malheureusement, Mathieu n'est plus là pour me répondre, mais j'en discuterai avec lui la prochaine fois. Enfin, je voudrais donner ma définition, moi, du progrès. Pour moi, en deux mots, le progrès consiste à maximiser le bonheur collectif et à minimiser la souffrance dans la société. Ce qui rejoindrait à la fois Robespierre, Bentham, Mill et John Rawls. Enfin, je pense. N'hésitez pas à me contredire si vous considérez que cette définition du progrès devrait être améliorée sur la formulation que je viens de proposer. Voilà, sur ces quelques mots, je vous remercie tous et toutes pour cette très longue journée et je vous prie de m'excuser pour le retard ce matin. Voilà, si vous avez encore quelques remarques ou questions finales, sinon on conclut cette belle première journée de notre séminaire. Voilà. Merci à vous.